Dabassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france de opinioninfo Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08-92-23-95-20. 20 08 92, 23, 95, 20. Alors d'ici cinq mois, euh, vous allez voter encore une fois euh, pour choisir votre président. Et sur le certains après 5 six mois que vous allez voter, choisir votre président, encore de nouveau, vous allez commencer à le critiquer, à insulter, faire des manifestations. Comme quoi, alors, là là, on se trompait, ta 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 ta, ta, ta et certains noter ça. Mais de toute façon, euh, nous sommes le samedi euh, 4 euh, décembre, et les républicains, les républicains, ils ont eu leur candidat, Candidate? candidat T. C'est une femme, Valérie Pécresse, qui a gagné le coup face à. Eric Ciotti, dommage pour Ciotti et bien pour le peuple français puisque surtout pour les femmes. Vous savez que j'adore les femmes. Euh, je sais vous toutes et tous aussi vous adorez les femmes et vous êtes pour les femmes. Euh, seulement je veux vous dire une chose puisqu'il y a beaucoup de euh, de quoi de la haine contre les femmes cachées. Vous savez. Euh, toujours, il y a des femmes qui tombent sous le frappe mortelle de leur mari, et dans les sociétés également, vous savez très très bien. Même ici en France, les femmes, elles ont des problèmes. Euh, je vous en avais parlé, que M. Debré il avait fait une pièce de tâte, qui est toujours euh, guettée, théâtre de guettée à Montparnasse. Peut-être vous pourrez aller le voir. Là, euh, lui avec sa femme. Il nous montre ce que les femmes françaises ont fait depuis 200 ans pour dire au monde entier que nous existons. Les femmes n'avaient pas l'autorisation de conduire, n'avaient pas l'autorisation de devenir médecin, infirmière, avocate, et là, 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 et même avoir son carnet de chèque il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, les femmes ont presque leur place, mais toujours euh, cette idée anti-féministe, anti-femme, enfin pas féministe, non, femme existe dans toutes les sociétés, y compris la société française. Vous voyez, euh, beaucoup de gens disent oh, c'est une femme qui va nous présider. Mais imaginez-vous que dans le pays musulman euh, comme Pakistan. Binazir Bhutto était présidente. Et un pays musulman. Imaginez-vous qu'en Inde, Indira Gandhi était dirigeante du gouvernement indien. Et imaginez-vous qu'en Nord d'Afrique, que soit Tunisie, Maroc, la Libye, l'Égypte, il y avait des femmes qui régnaient même 2000, 3000, 4000 ans avant l'islam. Même il y avait des femmes reines en Syrie. Femmes reines chez les Perses aussi, mes chers amis. Alors pourquoi pas une femme présidente ici en France, Valérie Pécresse, surtout qu'elle... Selon ce qu'on dit en Ile-de-France, c'était quelqu'un qui a bien travaillé en Ile-de-France. voilà. Il a bien travaillé. Hein. Et il aurait quatre candidats très très forts, bien sûr. Quatre forts, il y en a énormément de candidats. <laughs> C'est autre chose. Mais il y en a quatre. Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen. Euh, L'artiste Eric Zemmour. Alors, au sujet d'Eric Zemmour, on a des choses à dire, mais j'aimerais bien vous écouter. Et, voilà, quatre candidats qui vont faire la course pour le présidentiel. Moi, je pense, c'est mon idée. Deuxième tour, ça sera entre femmes et hommes. <laughs> euh, Macron. Et Valérie Pécresse. Bien sûr, Macron n'a pas aimé. Pour lui, c'est Xavier Bertrand, c'était mieux peut-être, vous voyez, on se, on se connaît tout ça. Une femme comme Pécresse, Anne Hidalgo aussi, elle est là, Anne Hidalgo, malheureusement, son parti, il ne va pas l'aider. Anne Hidalgo, je vais te dire, Anne hein, Hidalgo, je vais te dire que ton parti va t'abandonner, ne va pas t'aider comme ils ont fait avec euh, Ségolène Royal. Comme ils ont fait avec Ségolène Royal, Anne Hidalgo pff, ne va pas trop avancer, puisque son parti, 100%, ne va pas investir dans cette élection. Exactement le même coup qu'ils ont fait contre Pierre Jox et contre euh, Ségolène Royal. Cette fois-ci, on va faire contre toi, Anne Hidalgo. Tu vas avoir des problèmes. Mais Pécresse euh, va avancer, puisqu'une grande majorité qui était déçue dans le euh, précédent élection, surtout les militants de euh, François Fillon, et, euh, ils vont rejoindre Pécresse. Et de l'autre côté, le républicain, je crois qu'il va prendre un autre image. Dans la société française avec Pécresse. Et là, moi, quand j'ai parlé avec plusieurs individus, plusieurs personnalités, il était satisfait du travail qu'il a fait depuis qu'il est en Ile-de-France. Et de l'autre côté, c'était très intéressant. Il y avait cinq candidats chez les Républicains. On voit que le cause a été partagé entre Ciotti et Pécresse. Et, et trois, ils ont voté en faveur de Pécresse. Ça, c'est un point fort. Alors, à partir de maintenant, ça dépend de ce qu'ils vont faire, les républicains, euh, pour Pécresse et le peuple français. Euh, je crois que le deuxième tour, ça sera entre Pécresse et Macron. De toute façon, Macron est allé en Arabie Saoudite, 16 milliards, 17 milliards avec le Qatar, avec les Arabes. Vous savez, vous savez les Arabes de le pétrole, le pétrole c'est très important dans toutes les élections dans le monde, puisqu'une grande partie de l'économie mondiale est la source, et ça vient de chez eux. La source de l'économie de plusieurs pays, surtout en Occident, c'est Arabie Saoudite et des pays arabes, Golfe Persique. Ça, c est, c est, il y a des choses que peut-être vous ne savez, savez pas, que je ne vais pas en parler là, ce soir ici maintenant. Alors, ça, ça peut rapporter positivement pour Macron, ça peut être négatif aussi pour Macron, puisqu'il y a la question de Khashoggi, qui a été coupé en petits morceaux, petits morceaux, 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 morceaux en Turquie. Euh, bien sûr, on a parlé, même Macron, il a parlé de cette question de droit de l'homme, mais il n'a pas cité le nom de Khashoggi. Euh, mais ça, c'est grave. Alors, c'est-à-dire, si on veut jouer contre Macron, euh, son voyage euh, et la vente des armements, euh, parce que Ralph euh, Dassault, c'est des armements, non euh, ça peut être critiqué, c'est-à-dire ça peut jouer contre lui, ça peut être un piège, et de l'autre côté, ça dépend si le financement, euh, ça peut servir ou non, c'est autre chose, enfin, voilà, ça dépend comment on va l'utiliser, les adversaires de Macron, dans cette match présidentielle. Mais à mon avis, c'est de là qu'ils vont faire. Alors, euh, Eric, Zemmour, euh, c'est seulement pour caisser les voix de l'Open. C'est-à-dire si l'Open il voulait avoir, il voulait avoir 22, 24, 25%, ça va couper en deux. Même peut-être euh, l'Open il aura qui que 10%, Zemmour 15% au 10%, 12% chacun, c'est-à-dire Zemmour, euh, son rôle, ce n'est pas de devenir président, il n'est pas présidentiel, il n'a pas son parti politique, il n'a pas son équipe, et il n'a pas, vous voyez, il faut avoir l'équipe, il faut former euh, euh, son parti politique, c'est très important, l'individuel quand on vient, même pas... Pff. On va pas, c'est-à-dire ça, je vous dis pourquoi pour que vous n'ayez pas peur, <laughs> Pour que déjà les Européens et dire ah oh, si c'est lui j'aurais quitté la France, <laughs> non ça c'est l'enjeu national international, certains pays étrangers qui jouent dans cette élection, dans toutes les élections ils jouent toutes, toujours. Alors, et de l'autre côté, c'est pour casser les voix du Front National, ex-ex-Front National. Vous le connaissez mieux comme ça, parce que vous savez, on change de nom chaque fois, euh, pour chaque élection, euh, qu'il soit ce monsieur-là ou cet homme-là, il change de nom de parti, mais c'est l'ex-Front National, euh, voilà, pour casser ses voix. Et c'est pour ça que M. Eric Zemmour il est entré. Vous Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? J'aimerais bien vous écouter. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant.